Salut à tous et Thunder, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour du Boom Beach. C'est vrai que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, mais là cette fois-ci, il est grand temps de reprendre tranquillement sur le jeu et aussi sur YouTube. On est tout proche des 700 abonnés. Merci beaucoup malgré un petit peu mon inactivité en ce moment. Désolé, là j'espère que les vidéos vont reprendre petit à petit. Au fur et à mesure. Voilà, donc là nous sommes donc sur Boom Beach, donc le jeu où je joue beaucoup en ce moment, ou un petit peu, ou très moins, parce que bon, avec la formation et tout, etc., c'est compliqué. J'ai eu mon diplôme, ça y est, c'est une très très bonne nouvelle, le diplôme que j'ai enfin obtenu, donc c'est super. Enfin, maintenant je vais me concentrer sur les vidéos pour l'instant là, parce que je suis en stage, voilà, au moins ça pourra me donner un peu de possibilités. Donc, il y a eu une mise à jour sur Boom Beach qui est arrivée assez récemment. Et cette année, Boom Beach sort pas mal de mises à jour avant peut-être les 10 ans du jeu. Donc, on va voir ça par la suite. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans cette mise à jour? Alors, je crois que maintenant, Dr. Kavan ressuscite les mechas. Enfin, parce que vu comme le mecha, je l'utilise très souvent. Avec des bombardiers et des grenadiers, parce que quand les mechas ils mouraient, ils revenaient jamais, donc du coup c'était des fusillés. Là maintenant on pourra avoir des mechas tout roses, ouais, des petits robots tout roses qui se promènent, qui ressemblent à des boîtes aux lettres, c'est plutôt sympathique. Donc ça c'est cool. Donc le mecha qui était une troupe totalement nulle au tout début, mais que là maintenant elle devient très intéressante. Donc là, vu comme je jouais beaucoup avec, donc c'est parfait. Du coup, après il y a eu des pubs, ils peuvent mettre des publicités sur le jeu, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je n'ai aucune idée. Ensuite, on a donc un nouveau logo, ou un petit onglet qui a été ajouté à gauche, une espèce d'ampoule. Donc on peut voir ici sur l'ampoule tout ce qui est amélioration en cours, amélioration recommandée et autres améliorations. Donc ça veut donc dire qu'il y a des améliorations recommandées en premier. Voilà, donc quelles sont les améliorations à améliorer au dernier moment, donc les premiers trucs améliorés, puis ensuite au fur et à mesure. Donc vous pouvez voir que on peut voir le prix des je veux dire le coût des constructions par rapport au bâtiment, donc c'est vraiment compliqué. Donc là je suis en train d'améliorer les lance-flammes en ce moment. Donc là ça sera les toutes dernières défenses du jeu. Puis ensuite après je vais m'attaquer aux autres bâtiments. Après on a eu donc la possibilité c'est de voir une nouvelle icône moyen de portée. Bon d'accord, ils ont mis un petit logo dessus. C'est un peu le logo de Boomish Frontline, hein, je me trompe pas. Ici ouais. Ils ont un petit hommage au jeu. Hein. On sait pas, ça se trouve, ils vont peut-être rajouter plusieurs trucs par la suite, ça serait plutôt sympathique. Après on a quoi eu d'autres comme mise à jour? Non, bah, franchement, je sais pas, marquez-moi en commentaire ce qu'ils ont mis. Alors j'avais vu la vidéo de Skullcrusher. Skullcrusher et aussi la vidéo d'Amawok. Donc j'ai un petit peu zappé, hein, ça fait un jour. Voilà, je crois qu'ils ont sorti aujourd'hui la mise à jour. C'est pour ça que je la découvre que maintenant. Voilà, donc cette semaine nous avons donc l'une des proto-troupes les plus puissantes. Quand je vous dis puissante, c'est le Carbobob. Ou le Carbobob, ou les Bob, comme ils l'appellent à Mawak. Et aussi, moi j'appelle comment ça s'appelle? Les hélicoptères anglais, là, les Chinooks, là. Les Chinooks, je sais pas quoi, là. Ouais, vous savez, c'est les hélicoptères à deux hélices. Et bien, ces hélicos, qui sont très puissants sur notre archipel, et bien, il y a encore un autre bonus. Parce que oui, vu comme ces hélicos lâchent des gros bras. Et bien ces derniers, les gros bras, ils ont eu une amélioration pendant 2 semaines, c'est qu'ils font eh bien, plus de dégâts. Regardez, dégâts des gros bras. Donc, hélico blindé plus les gros bras qui font plus de dégâts. Je peux vous le dire que là, ça va vraiment bien mitrailler. Donc on va s'attaquer tout de suite. On va aller donc prendre Kavan, puisque Kavan, lui, va ressusciter des gros bras. Donc encore des gros bras en plus et tout, etc. Ça va être le bordel. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire. D'ailleurs, ce que je vais donc faire, c'est avancer. Ah oui, c'est vrai que j'ai plein de petits tickets là. Je vais les utiliser, hein. Voilà, parfait. Au moins utiliser mes diamants pour rien, donc c'est cool. Non, ici j'ai quoi ici? Ah, je peux reprendre, merci. Je peux prendre ça, voilà. Pour les petits villages, je le ferai plus tard. On va aller s'attaquer tout droit au Docteur C. Vous allez voir la puissance qui est monstrueuse des hélicos blindés jaunes. Donc on y va. Voilà. Donc les gros bras qui font plus de dégâts, les carbobos qui sont là. Je pense qu'on est plutôt pas mal hein, en termes de puissance. La connexion qui recommence à faire son petit souci. Génial.
Génial, j'adore ma vie en tout cas. Waouh, let's go. Ça fait plaisir. Bon, on va faire une petite ellipse pour que je sois sur le champ de bataille. Je me suis connecté, même pas 2-3 secondes, hein. Je me suis fait attaquer. Il y a 2 minutes. Je me suis fait attaquer. Genre, j'ai juste relancé le jeu. Je pense qu'à mon avis, pendant que je parlais et tout, je me suis fait attaquer. J'ai pas compris. Il y a 2 minutes, j'ai pas compris pourquoi. Donc. Ok, bon, bah, très bien, le jeu qui me troll là-dessus. Bon, est-ce que je peux jouer, ça serait sympa ou pas? S'il vous plaît. Merci, c'est sympathique. Bon, allez, on va déjà... bon, allez, bombarder ça parce que ça, c'est le plus... C'est le plus fort. Je vais pas y arriver. Ah si, je vais y arriver. J'ai failli prendre la petite canonnier. Hein. Attention à ce que vous me faites, le Boom Beach. Vous me faites des blagues comme ça, c'est pas bien. Tiens, regardez, tellement que ça a bugué que j'ai pris Cavan. Et hop, voilà. Attendez, et je reprends Cavan, mon grand. Voilà. Et ça a tellement pas compté que toutes mes ressources n'ont pas été prises. Non mais n'importe quoi. Hein. Non mais sérieux, hein. Non mais vraiment, le jeu qui me troll absolument. Allez, s'il vous plaît, ça serait sympa que tu me fais pas bugger. Alors ça se trouve, c'est peut-être le jeu qui bug avec la mise à jour. Ça se trouve, c'est peut-être ça, on sait pas. Hein. Non, c'est bon, c'est pas la connexion. Je pense qu'à mon avis, c'était ma connexion qui a dû bugger. Bon, là, cette fois-ci, on va montrer l'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, à mon avis, j'ai dû cliquer sans faire exprès avec le petit doigt. What the fuck? J'ai cliqué sur Major. Ah, j'ai cliqué sur Terminer. Alors, j'ai réussi à débarquer mes troupes avant. N'importe quoi. Y'a rien qui va dans cette vidéo. C'est super. Ok, bon, on va voir un peu l'efficacité des gros bras, bien sûr. On peut voir que déjà, la vitesse. Les gros bras, ils vont faire tellement de dégâts. Oh, et cette semaine, ça va être. Mais. Ça va mitrailler sur les bases. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Là, les bases, elles vont. Tomber comme des mouches. Voilà, va tomber vraiment comme des mouches. Hop, voilà. Ils ont juste à rajouter un peu l'animation des ressources. Ok, bon, très bien. C'est pas la meilleure des choses. Mais voilà. Vous croyez vraiment faire quoi, là? Non, mais vraiment. Vous croyez vraiment faire quoi, messieurs les bases, là? Hein? Docteur Z, il va faire quoi, là? Bon, il me faudrait juste un peu un petit boost de... Comment dire? Un petit peu de boost d'énergie de canot, parce que c'est vrai que là... Je n'arrive pas trop à débarquer tout le monde. Ça va être un petit peu dérangeant quand je vais faire les opérations. Parce que si je débarque seulement 5 hélicos sur 8, il va falloir de l'énergie et puis ensuite ramener tout le monde. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si c'est dimanche, si vous voulez. Je fais une espèce de, comme avant, un rasage de cartes monstrueux avec les cargo Bob. Parce qu'avec, je m'en profite avec les gros bras qu'ils ont la possibilité de faire plus de dégâts. Si vous voulez ça, bah, marquez-moi en commentaire pour voir ce qu'on peut faire. Moi, je trouve ça dommage d'ailleurs que le lance-électro-bombe ne peut pas toucher les cibles aériennes. Parce que je vous rappelle que les lance-électro-bombes ne peut pas toucher les cibles aériennes. Tout ce qui est volant ne peut pas. Donc, je sais pas, ça peut être une possibilité, mais bon, pourquoi? Je sais pas. Voilà, c'est bien dommage parce que c'est l'une des défenses les plus importantes du jeu. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Hop, voilà, donc là, regardez, hein, franchement, je ne fais rien du tout, je fais rien, c'est génial, j'adore ce jeu, j'adore. Des fois, vous êtes concentré avec les guerriers et tout, et puis moi, bah, hélico blindé, c'est bon, hop, vous pouvez faire votre vie tranquillement, et puis voilà. Ouais, vous pouvez voir que je peux débarquer que 5 hélico blindés. Déjà, avec les hélico blindés, je crois que c'est 8 par hélico, donc ça fait pas mal d'énergie, c'est parfait. Hop. Voilà. D'ailleurs, bah, vu comme cette année, bah, franchement, Boom Beach, ils ont sorti mais, pas mal de petites mises à jour, des petites fonctionnalités qui sont assez sympathiques. Et bah franchement, cette année, Boom Beach, ils ont sorti pas mal de mises à jour. Hein. Franchement, je m'attendais pas que le jeu soit aussi... comment dire, soit si... un peu bien en mise à jour. Hein. Vraiment, je suis épaté de cette année, parce que l'année dernière, c'était mais vide de chez vide. Mais alors là, franchement, il y a eu combien de mises à jour? Franchement, marquez-moi en commentaire, il y a eu combien de mises à jour? Il y a eu celle-ci, il y a eu... Ouais, je pense qu'il y a eu 3-4 mises à jour. Certes, c'est des petites mises à jour, mais qui ajoutent des fonctionnalités, mais qui sont plutôt sympathiques. Franchement, là, ils m'épatent, hein, l'équipe de Boom Beach. Donc moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour l'anniversaire de Boom Beach, les 10 ans. Donc on va voir ce qu'on peut, on va voir ce qu'on pourrait avoir. Donc à vous de répondre en commentaire.
Ouais, je sais, demandez-moi. Je demande beaucoup de choses en commentaire. Ouais, je sais, je sais. Je suis un gros forceur. Je sais, je sais. Allez, on continue tranquillement avec les hélicos blindés là. Bon, c'est vrai que les hélicos blindés, c'est vrai qu'ils sont trop forts. C'est vrai qu'ils sont beaucoup trop puissants, les hélicos, c'est absolument fou. D'ailleurs, moi j'ai une idée en tête, c'est prendre toutes les proto-défenses et les proto-troupes et faire une île prototype. Genre, vous prenez que tout ce qui est proto-défense, proto-troupes et une île spécifique à ça, quoi, tu vois. Ça serait plutôt cool. Genre, les canons de la mort, il y aurait un peu plus. Genre, les canons de la mort, ils se transforment en des défenses permanentes, tu vois. Mais là, c'est vrai que là, tu peux rien faire. Genre, tu peux strictement rien faire. Même un grapporteur, moi, je m'en fous, moi. En fait, les grapporteurs, vu comme il peut pas choper les troupes aériennes. Yes! Les grapporteurs. Je vous dis que j'ai détesté ces proto-défenses-là. Je les déteste. Mais quand il y a des hélicos blindés. Oh, moi, ça va. Ça me va, ça me va. C'est bon, il n'y a pas de. Je sais pas quoi, je sais pas qui. Bah voilà, bah là, vous pouvez pas attaquer tranquillement. Il n'y a pas trop de défense sur cette base-là, s'il vous plaît. Hein. Je dis ça, mais je vais me faire karma. Ah, les lances bestioles ne peuvent pas attaquer les cibles aériennes. Ah, ça, je le savais pas, par contre, tu vois. Parce que j'ai vu le canon à bestioles qui réagit, qui avait fait aucune réaction. C'est pas grave. Mais moi, je pense que ce serait une idée. C'est le canon à bestioles, il tape sur l'hélico. Certes, la bestiole ne peut pas attaquer, mais genre ça tape sur l'hélico et puis c'est tout quoi. Genre la bestiole, elle attend les gros bras et puis voilà quoi. Ce serait une bonne idée. Ouais. Mais là, le canon à bestiole ne. Bon, en fait, il vise vers le haut, mais il sert pas à grand chose. Pourtant, l'hélico, il est pas si haut que ça. Hein. On sait tous que les hélicos volent très haut dans la vraie vie, mais là, tu vois, il est presque au ras de sol, là, le machin. Non, bah non, le truc, il. Je sais pas, il voulait pas. Il voulait pas tirer, mais bon, tant pis. Dans le canon à bestioles, je savais pas qu'il pouvait pas tirer sur les hélicos. Tant pis. On va voir ce que je peux faire revivre beaucoup de gros bras. Voilà, plein de gros bras en plus. Génial, j'adore ma vie. Plein de gros bras. Non, mais regardez la vitesse comment ça descend. Parfait. Non, franchement, je suis content. Hop là. Ouais, écoutez, bah franchement, plutôt sympathique comme proto-troupe avec les gros bras qui sont améliorés au maximum. Hop, voilà. Donc, je vais juste regarder un peu mes compétences des gros bras. Donc, les gros bras, ils sont ici. Vous pouvez voir que les dégâts sont monstrueux. Genre, vraiment, si vous faites, allez, 18 plus 24, moi qui sais pas trop calculer à la vitesse de l'éclair, ben bon, ça fait beaucoup de dégâts. Carbobomb extrêmement puissant comme d'habitude, les gros bras qui font plus de dégâts. Écoutez, franchement, on est bien là, on est très 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 bien. Sachant que, vu comme si je dois booster à fond mes statuts, je peux vous le dire que les gros bras ils vont être monstrueux et les carbobomb aussi. Genre, impossible que vous pouvez raser n'importe qui. Non, vraiment, là je peux raser n'importe qui sur ma map, malgré que j'étais assez inactif ces derniers temps. Mais je peux vous le dire que j'ai hâte de faire une petite masterclass. Ah oui, j'ai envie de faire un gros rasage de cartes. Je lance une grosse vidéo avec un gros rasage de cartes avec les Carbobob. Je peux vous dire que ça va être monstrueux. Bah écoutez, bah merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Donc du coup, mise à jour du jeu qui ajoute quelques fonctionnalités assez intéressantes. L'arrivée des hélicos blindés de couleur jaune qui arrivent donc sur l'archipel pendant une semaine. Plus dégâts des gros bras qui vont faire un massacre cette semaine. Un petit nettoyage de cartes qui fait plaisir. Bah franchement, on va plutôt bien 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 s'amuser avec ces derniers. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Donc du coup, je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Pour la prochaine, j'essaierai de faire une vidéo sur un autre jeu. Donc j'essaierai de faire ça sur mon autre compte YouTube. J'espère que ça va marcher parce que je vais filmer non pas sur mon téléphone mais sur une tablette par rapport à cet autre jeu-là. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc du coup, je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Salut à tous, c'était Thunder. Allez, salut.